Il y a un griffon qui apparaît à côté de vous autres qui est scellé avec monture, avec armure et tout kit. Elle va s'attacher avec sa corde. Lui aussi va s'attacher avec sa corde. Vous allez vous promener avec un griffon à l'envers. Vous êtes tout à l'envers du griffon. Les deux. Pas du même en plus. Ben, je vais juste faire un résumé de ce qu'on a à faire, ben, d'où des affaires qui traînent ou qu'on doit. Les potions que tu as ramassées, les potions qu'on a ramassées sur les gobelins, après ça, il y a ta dague, après ça, il y a ton scroll case, mais ça plus tard. Le médaillon, on doit attendre l'identification. Le rapport qu'on doit compléter avec les trois healers, puis trouver après ça Doran Stockhammer pour le voyager. Après ça, Firalasme, c'est ça, ça c'est ton affaire de Warlock. L'équipement, l'eau, t'as identifié. J'ai pensé à quelque chose, tu sais, l'équipement c'était du small. Si on réussit à retourner à Iron Forge, on peut le vendre là parce qu'il y a des gnomes. J'ai d'avoir un ding-ding. L'amulette qu'on a ramassée sur le voleur, genre celui qui a le tué. Pourquoi qu'on le montre pas à l'autre, voir s'il connaît ça, ce symbole-là? Ok, fait qu'on y monte dessus. Ou ils montent pas. Ben, si vous êtes d'emblée prête à vouloir voir sa réaction, j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Il va faire comme. Puis le manger. Il va discuter comme ses amis parce qu'on a ça, il va nous tuer. Pardon, Firalasme. J'ai une question à te poser. Et je me demandais si t'étais ouvert à y répondre. Je pense à quoi la question? En fait, ça vient avec un objet. Ça vient d'un meurtre. Ça, je peux le dire. Il y a plein de ceintures. En fait, on l'a trouvé sur quelqu'un qui a essayé de nous tuer. Il tourne le médaillon d'un bord puis de l'autre, puis il regarde. Qu'est-ce que vous en pensez? Un médaillon qui vaut à peu près dans le coin de 200 pièces d'or facile. Puis les symboles, est-ce que ça vous dit quelque chose? Les autres, c'est le dieu. Quoi? c'est des lettres, les belles La seule chose que je sais, c'est que c'est religieux. Pas ce que je vois avec les symboles. Ouais, ben. C'est un peu arcane. Côté plus obscur, disons. Ouais. Est-ce que tu as dit que tu avais réussi à identifier? Il y a un des symboles qui me rappelle un symbole démoniaque. Je vais dire, chaque personne qui va venir à regarder le médaillon va voir quelque chose de différent. Est-ce que c'est en fonction. Est-ce que ça a un. La personne qui tient le médaillon va venir avoir un symbole différent. Quand on a gratté notre fusain dessus. Ouais, comment ça a marché? C'est toi qui le tenais? C'est qui le tenait? C'est moi qui le tenais. Ah, boy, fait que ça se peut que ça soit pas ça pendant tout. En fait, ça semble indiquer un penchant vers une magie, indépendamment de la personne. Mais on l'avait. Il était pas magique, l'item, par exemple. Comme il disait qu'il avait fait ton idée. Il était pas magique. Il n'y a pas de magie. Ouais. Moi, je dis qu'il est magique. Ah, tu dis non. Ah. Je vais vous poser une question présentement. Qui. C'est approprié le médaillon entre vous. Ben, c'est moi qui l'ai dans mon inventaire. Il va juste rester à vous tant longtemps que tu m'as pas. Ok. Ben, je veux dire. Est-ce qu'il y a une malédiction dessus? S'il n'y avait pas eu de malédiction, t'aurais pu le refiler à n'importe qui. Okay, ouais, mais si la malédiction, c'est juste que je peux pas le donner à quelqu'un. Ben, je l'ai quand même. Il va se passer de quoi? Je sais pas quoi, mais il va se passer de quoi. Pourquoi mon Detect Magic l'a pas vu? Toi, tu vois quelque chose quand tu regardes le médaillon? Il voit quelque chose, mais il y a la médaille. On voit tout quelque chose. Voit quelque chose. Vous voyez tout quelque chose de différent. Ça peut troubler ta détection. Vous viendrez à trouver quelqu'un qui voit le médaillon en son état de base et non à l'état modifié, comme vous voyez tout différent. Et quel genre de personne pourrait voir? Trouver quelqu'un vraiment de pur va pouvoir venir à voir, donc il n'y aura aucune emprise sur son cœur. Ok. C'est bon ça. Mais je pensais à quelque chose, mettons qu'on se fait arrêter un moment donné. On attache des TV Stools après, on le crisse à quelque part, on se fait arrêter, là on attend qu'il revienne. Allez! TV Stools. Juste le médaillon. Ah, fuck. Mais c'est vrai que tu l'as dit, mais j'avais une crosse dans la tête, là. T'en vas à un vendeur, tiens, j'aimerais ça vendre ce médaillon-là, peut-être 200 pièces d'or, tu t'en vas, tu reviens, tu viens te vendre un autre médaillon. Mais sauf que je vais être cursé ultra. Fait qu'on continue vers les elfes. Je pense que c'est ça, il est à peu près midi, hein, dans ce coin-là. Bon, ben, on va continuer jusqu'à temps que le soleil se couche, puis. Dans la direction de... Spot! Adorable Spot! Vous voyez de la fumée. Tu sais, vous êtes sur la route comme ça, il y en aurait comme plus par là. Est-ce que c'est de la boucane d'une couleur ou c'est juste comme... Quelque chose qui est en feu.
Que c'est direction village, en fait, ça? Ça ressemblerait, ouais. Ça ressemble au village du Grey. Et merde! Au village des elfes? Si c'est quelque chose d'important, ça risque de cramer, mais si c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé, ça risque d'être un problème. Bon. Donc on s'en allait. Je peux fournir une monture à quelqu'un, mais c'est tout. Ouais, mais... Je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée de se séparer, honnêtement. Ok, mais on n'a pas, tu sais, une montre. Y a-tu quelqu'un qui veut y aller en avant? Puis... La monture peux... pour avoir deux personnes dessus. Je peux soigner si jamais il y a des blessés. Même. Ou sauter dans le tas s'il y a un combat. Ben honnêtement, je sais pas ce que ça va changer. Je veux dire, même si on se rend là puis qu'on remarque, ah, il y a du feu ou il y a pas de feu, qu'est-ce que ça va changer de plus? Ben, je veux dire, tu veux comprendre d'abord? Le feu, ça fait pas longtemps qu'il est commencé, si on regarde en tant que tel, ou sinon on l'avait vu avant. Donc, à partir de ce moment-là, si ça fait pas longtemps que c'est commencé, lui avec une monture, ça va être moins long. S'il y a encore des. Si, mettons qu'il y a des rescapés, ou il y a encore des brigands ou quoi que ce soit, si c'est des brigands. Vous allez pouvoir une chance de peut-être interférer. Okay. Je, j'irai avec toi, parce que moi aussi j'ai un petit peu de healing, puis on est les deux range. Fait qu'on est deux, on peut aider à le cacher. Ben, moi, j'ai mon gun, mais à moins, la montre qu'il nous fournit, c'est pour lui et quelqu'un d'autre. J'ai juste dit que je peux vous fournir une monture. Ok, bon, on va faire confiance là-dessus. Et est-ce qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a deux personnes qui veulent tranquillement pas vite vers là. Ouais, moi aussi, je vais marcher tranquillement pas vite vers là. Moi, je me demande si je pourrais pas embarquer sur votre cheval avec vous, puisque je suis toute petite et charmante. Oui, mais ça va être dangereux pour toi. Dangereux en quel sens? C'est que nous autres, on va pas être à terre, on va voler. Non. Oh. Fait que si tu tombes, mais... On va être là dans les prochains 10 minutes. Oh, c'est bon, hein? Il y a un griffon qui apparaît à côté de vous autres qui est scellé avec avec armure et tout le kit. Cool. Fait que lui, il embarque sur le griffon. Fait que si tu veux embarquer, c'est le temps. Ben, j'essaye. Mais nous autres, on a une monture cheval ou un... Non, ben non, c'est un autre griffon. C'est un griffon. Ouais. Ben, en c'est tant que tel, pour le ride, vous allez être correct parce que le griffon va suivre l'autre griffon. C'est ça. Okay. Le seul hic, c'est que pour vous autres, il faut que vous restez sa monture, vu que c'est une monture volante. Okay. C'est agilité. Fait que ça va être un jeu d'agilité que vous allez devoir faire. Le DC de 15. OK. Donc, c'est un D20 plus votre agilité bonus. Il faut que vous battez 15. OK. J'ai une corde, je peux la sortir, puis poser qu'on s'attache. C'est correct qu'on reste à terre. Ouais, mais de toute façon, avant que c'est l'oiseau, il va être plus ton oiseau. En tout cas, j'ai pris une corde pour m'attacher. Ah ouais? Elle va s'attacher avec sa corde, lui aussi va s'attacher avec sa corde. Toi, tu vas essayer de le handler pour être soft. Il embarque. 14. Ah fuck! Non. Mais je m'étais attaché. J'ai 12. 14, 12 et 7. Sacrément. Tu t'es attaché. Hein? T'avais dit que tu t'attachais. Moi, j'ai dit de m'attacher. J'avais pas compris pour toi, mais je te l'ai dit. C'est moi qui ai dit de s'attacher au départ. Je t'ai pas entendu. Regarde, je te dis, je te laisse quand même. Mais j'ai vraiment tu l'as. Pas entendu. Tu l'as. Fait que vous allez vous promener avec un griffon à l'envers. Vous êtes tous à l'envers du griffon. Il nous va être sûr. Ben, prochain nous autres. Je suis arrivé en forme, en esti. Tu sais, le monde arrive dans le village. Peu importe ce qui se passe. Fait que là, tout le monde s'est rendu quand même. À part vous deux. Ouais, c'est ça, nous autres. On fait. Bon, fait que nous autres, on court. Ouais, ben moi, je vais prendre. Tu cours. Tu sais, qu'il y a une petite affaire qui va venir à se passer. Non. Eux autres, ils vont à l'événement de la ville, vous autres, ils vont à l'événement à l'extérieur de la ville. Ouais. Okay. Uh-oh. J'espère que vous battez contre des pommes parce que vous des pommes. Eh non, il tank, je tire là, ça va pas être super. D'accord. Pendant ma petite promenade, vous entendez des hurlements qui viennent de cette direction-là. Pas loin de vous autres. Ok, donc il semble en avoir trois différents. Oh boy. Une direction par rapport au village. À l'arrière de vous autres. Oh boy, donc il y a le village devant puis. Donc c'est pas rapport avec le village. Non. Ça semblait à l'écrit d'un word. Des words. Oh boy, les gros loups là. Tu sais, des gros loups massifs là. À savoir comment que la nature est déchaînée, on est quasiment mieux de crisser notre camp au village en direct. Ouais. On a combien de distance par rapport au village, puis à quelle distance qu'on peut évaluer les words? Je te dirais. Les loups sont les loups ont commencé à se rapprocher, qu'est-ce que tu peux voir? De c'est nous? Après que le groupe soit parti, soit séparé. Ok, ils nous spottaient sûrement, puis. Vous êtes rendu une moins grosse meute. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut. Stresser, on peut-tu les spotter? Voir? S'ils sont essayés. Oh les 15, c'est nul, nul, nul. On a entendu des cris, on survit, on les voit pas. Bon. Je m'envoie un en arrière de vous autres. Ok.
ce qui semble être à grande vitesse. Vu on en voit juste un, puis on sait qu'il y en a trois. Bon, je vous avais entendu trois. Ouais, bon, on en voit un. Puis il est à quelle distance? Je te dirais présentement qu'il est à 20 pieds en arrière de vous autres. Il est sorti du bois pour courir sur le même chemin que vous autres. Tu veux-tu t'essayer? Il court à la même vitesse que toi. Tu veux-tu t'essayer? Il court à la même vitesse quand même. Ouais, mais même s'il court à la même vitesse, on a au moins un round à le torcher. Bon, je vais essayer de faire un ride puis de tirer sur celui qu'on voit. Si tu réussiras un ride, ouais. Présentement, ça va être un DC de 17. Calvance. Ça va parce que si tu réussis ton ride, t'auras pas de malus. Si tu le rates, ouais, t'as jamais malus. Pour toucher. C'est ça. Bon, je vais l'essayer. Oui. Essaye-les. Je l'essaye. Tu peux le faire puis je peux continuer à courir. Non, je l'ai pas. Ok, bon, ça c'est pas pire. 19. Moins 2. 17. Ils sont flat. Présentement, on n'a pas commencé le combat. Tu ouais. as tiré. Flat foot. Je suis considéré flat foot. Ouais. Et flat foot, je suis à 17. Fait que. Ouais, si t'en tues un, au moins on a. Ouais, ils ont peut-être intimidé les autres. 22. Je mange la shot. Moi, je vais arrêter de courir par contre. Ouais, parce que. Je suis encore debout. Ah. C'était le seul qu'on voit, fait qu'on peut soit continuer à courir, puis espérer que ça les a distancés. Ouais. Tu veux-tu qu'on continue à courir? Moi, je dis ouais. Ok, ben, je continue à courir. Spot. Non, il va en avoir devant. Qu'est-ce que tu vois, Phil, c'est que tu viens de le voir sortir en avant. Bon, en fait, il est comme okay. Il est là. T'en as un en avant de toi qui, qui s'avance vers toi, qui va faire une charge en tant que telle sur toi. Puis t'en as vu qu'il y en a deux autres sur chaque bord. Ok, ça fait qu'ils sont quatre. T'as combien de jump? En tant que telle, sont trois plus le quatrième. Puis j'ai quatre de jump. Est-ce que ça te tente d'essayer? Tu peux essayer si tu veux. En passant, ils sont aussi larges que toi. Fuck. Non, moi je ferais pas ça. Mais le problème c'est qu'ils sont probablement plus que ça. Si on en a rien qu'entendu trois, puis qu'on en a vu un, puis qu'il y en a deux, un à l'arrière de. Ben, en tout, il y en a quatre. On a entendu trois, on en voit quatre. On en voit quatre, c'est ça. Ça veut rien dire par rapport à la quantité. Mais quand même, c'est quatre. Ok, ben on pourrait aller en diagonale, en avant. Fait comme ça, on en a rien que deux, puis on pourrait peut-être essayer de distancer un. Peut-être qu'il réussirait pas à faire. Encore là, il y en a un qui est magané, qui sa vitesse est resetée. Il faut qu'on fasse nos jets de course. Mm-hmm. À partir de maintenant, on va faire une initiative. Ouais. Ok. Donc, on commence. Je pense que c'est ça. Mais là, je vais comprendre qu'est-ce qui est fatiguant d'un loup. Ah non, pas bleed. Non. Ok, phew. C'est pire que ça. T'es chanceux, j'ai pas un crit sur un 19. Donc, je te touche. Ça va être 9 points de dégâts. Tu vas faire un strain check. Oh. Fait que... Si tu le rates, t'es à terre. Ça s'appelle un trip attack. Fort, tu utilises un move action pour te relever et qui me donne une attaque d'opportunité. Tu comprends pour cet atroce. 7. T'es correct. JP? Je me reviens de bord, là, je l'ai tiré, fait que ah ouais, là je me reviens, ah fuck. Je débarque-tu ou tu continues à courir? J'ai pas besoin de continuer à courir, mais tu peux rester sur moi. Tandis que s'il me tue moi, toi tu vas être encore sur moi. Ouais, ça va, parce que ça dépend comment tu vas voler, là. Okay. Tu tombes de côté, il est avec toi. Ben, tu peux débarquer à ce moment-là. Donc, move action, tu débarques. Ouais. Ok, ben, je vais y aller avec 5 canons. Ok. Je conseillerais de taper sur celui-là que tu as déjà tapé. Ouais. Ok, je vais l'achever. Toi, tu mangeras celui qui est en avant. T'as pas touché. Puis c'est fait. Ouais. Après ça, on tombe à 11. Mm-hmm. Les deux plots. Je suis rendu à 20 pieds. Après ça, on tombe à 10. Mm-hmm. Je suis rendu à 20 pieds. Mm-hmm. Et on tombe à PO! Hey, PO! Tu fais que là, t'attaques celui devant toi. Ouais, je sors mon thorium. Fait que t'as fait ton move action pour sortir ton thorium. Mm-hmm. Puis après ça, t'attaques. Ouais, facile à 0, fait que t'es correct. Oui, j'ai 120! Je retire ton D20. T'es mieux de marcher ma crise de chienne. 20! Double 20! Ok, il éclate en morceaux. 33? 33? Je suis encore vivant. Encore vivant. Fuck. Mais. Il en reste pas beaucoup. Nice! Tu l'as entendu sciller, là. Donc, moi. Ah, je vais pouvoir faire une attaque. Fait que le bac va bouger de son 30 puis il va faire son attaque. Ok. Ça va être du coup attaqué de bord. Ok. 2 points de dégâts. Hein, combien? 8. Ah oui, c'est vrai, trip. 7. T'es sur le cul, mon gars. Bon, mais on recommence. Le front. Oh, tabarnak. Oh, tabarnak. Ah. Est-ce que je le confirme? Dis-moi non. Dis-moi. Crit dans un sapin, man. Dans un sapin. Ah! On mange un sapin.
C'est quoi? Hey, double. Hey, deux double 20. Deux double là. Dans un combo. C'est pas écrit que c'est triple, faut que j'aille double. C'est pas okay, mal. 5. 6. 8. 6. 12. 6, ça veut dire 20 points de dégâts total. Merci, même. Je te ferai pas des rondes et des rondes de même. Donc, JP. Ouais. Ok, T'es à terre, faut que tu t'enlèves. Fait que quand tu vas te relever, moi ça te donne un free action. Mm-hmm. À moins que tu attaques ta terre. Mm-hmm. Si l'affaire qu'on ira se passer pour attaquer la terre, tu auras moins pour toucher. Mm-hmm. Mais moi j'aurai pas de malus pour te toucher. Ok, je vais essayer de le pogner de la terre avec ma Great Axe. 14. Ok. Hmm. Donc, le left va attaquer le JP. Le left va rien faire. Right contre le 9. Je suis mort. Calice. T'es pas encore mort. Ouais, mais. Le loup qui est en arrière va attaquer 17. J'ai 19. J'ai pas tué. C'est à moi? Ouais. Ok, je vais l'achever le style loup sale. Il y en a deux sur toi en passant. Ouais, je sais, j'espère juste de le tuer puis que mon cleave pogne l'autre. 20! Hé 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 hé! Tant que tu vas pas confirmer, tu feras pas plus de dégâts. Je le sais, mais je suis content, pareil, je veux cette petite joie-là. 14. Non, mais tu vas quand même avoir touché. 15. Je suis mort, il me restait 8 points de vie. Oh, ça, yes. Ok, fait que je cleave. Et je cleave. Ouais, un 9. Que t'as pas touché. Ouais, ouais. Le 24 va attaquer JP. Ouais. 14 points de dégâts. Là, t'en as 3 sur toi. Oui, je suis tout courant. Ah, mais là. C'est tellement que ce que j'ai dans la tête, hein. Non, en fait, tu es en train de me dire que j'ai peut-être une possibilité de me sortir de l'échauffouré. Oh, tabarnak! Il crit, t'as ce 10. 21. Je suis mort. Je suis à terre. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, si je pouvais pas invoquer une os dormue pour essayer de nous sauver de l'échauffouré. C'est vraiment la dernière affaire qu'on a. Je te donne 2, je crois. Tu veux par le sable ou le feu? Est-ce qu'il y en a un qui nous sauverait tous les deux ou. Je vais te poser une question. Tu veux par le sable ou le feu? Le sable. Ok. Vous êtes présentement après. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, puis vous entendez les billes. Ouais, mais est-ce qu'il y a un temps est utilisé à jamais? Oh. Hey, Ouais, on avait pas le choix, là. Ouais. T'as un médaillon dans le cou. Ok. Qui est là. Qui était pas là avant? Qui était pas là avant. Le médaillon a les quatre couleurs des aspects. Celui-là du sable. Et il s'est effacé un peu. Ok. Un peu. C'est un choix raide, là, mais je pense que c'est peut-être notre sortie. Fait que là, on recommence le combat. Ça dépend. Mais on peut pas jumper par-dessus. Mais est-ce qu'on ouais, sait ce qui s'est passé ou on le sait pas? Moi, je le sais pas. Vous savez qu'est-ce que c'est? Ah, moi, je le sais. Je capote un petit peu. Il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu. En fait, j'ai invoqué ma case de dragon pour essayer de remonter le temps. Okay. Par pur hasard, ça a été accepté. Ok. Ben, merci. Je sais pas si c'est mon dieu dragon qui m'a donné. Qui t'a donné une deuxième chance. Qui m'a donné une deuxième chance, ou si c'est tout simplement en moi que ça s'est produit. Ok. Peu importe, moi je dis qu'on profite de cette deuxième chance-là, puis on essaye de faire en sorte que ça marche deux fois là. Ok. Vous avez rêvé, le village est en feu, ok? Vous voyez les elfes qui sont pendus, qui ont l'air d'avoir été torturés.